a déjà la chance d'avoir le nom, donc c'est Signar des Neiges, Gnar des Neiges et Bard des Neiges, qui vont rejoindre la Sire, la Lune. Et on va probablement avoir le bac qui peut être pas mal puisque c'est un skin à 1300. Le bac. Oh, c'est joli. Ok, alors on est parti. On va aller prendre le professeur et puis on va voir ce que ça donne. Si c'est fait une boule de neige, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Alors quand on prend le vin, ça fait quoi? L'air d'être bien congelé, le pauvre. On va le reposer au chaud. C'est très joli ce petit effet particulièrement. Exactement, on va l'embêter. Il va venir le voir forcément. Les effets de particules sont très jolis. Ah, il y a la Oriana aussi de l'image. Je suis en train de me dire laquelle je vous dis. Et la tourelle. Même les auto-attaques sont utiles d'assaut, c'est très joli.
incroyable. Il est 4. Et on va passer niveau 5 le plus possible. Voilà. C'est vraiment très joli ce petit truc de... particulièrement. Le bac pour 1315 il est joli, mais 1325 il est joli, mais ça pourrait être un petit peu plus travaillé quand même. Je sais pas qu'il est tout brûlé, mais c'est-à-dire que c'est juste un petit peu. Sur la neige, ça fait un peu léger, je trouve. Alors, positionné, la caméra n'a pas changé, les lumières non plus. Alors bon, ça a planté manifestement. On va essayer d'avancer, j'y reste sur le PV pour y voir. Ok, le PV va planter le bateau.
850. Alors lui aussi il a... Alors on a l'impression que c'est un Ziggs, mais qui aurait pris un petit peu de poids. Par contre son pingouin est trop mignon. Il est trop mignon. J'espère qu'il y a des interactions assez fortes avec lui. Trop mignon le petit pingouin. Alors. Il va y avoir plein de petits pingouins qui vont nous poursuivre, après ça va être trop cool. Bienvenue dans la forêt. Alors, contrôle 1. Oh, des petits pingouins et des gros pingouins. Happy Feet contre 4. Et on va faire le bac. Un Ziggs qui a pris du poids, un Ziggs. Ouais, car il a pris beaucoup de G. Oh. Oh, trop mignon. Ok, c'est parti. On va skin le. Et on va y récupérer tous les petits muscles. Et on va y farmer un peu. Alors c'est joli. Je pense que ça va être des petites fleurs de glace pour les petits flocons. Les petits soins là. Oh excellent. C'est un petit chocolat chaud au chamallow. Génial. Alors celui-là il est vraiment excellent ce skin, je trouve. Oh yeah. Merci Kazuo pour le suivi, ça fait plaisir. Ah il est vraiment sympa celui-là. Autant le deuxième, le Bard Sylvestre, je le trouvais pas terrible. Alors celui-là il a vraiment quelque chose. Oh la tasse de chocolat chaud avec le petit sucre d'orge, c'est vraiment excellent. Ils ont fait pour faire un tunnel, ça va être un tunnel totalement chaud. Un tunnel sous le mouvement. On va aller faire un petit coup là sur un casse vite. Alors, il y a un peu du délai. C'est pas évident.
On va se refaire un petit tunnel juste pour. Hop. Toc, toc. On va rigoler un petit peu. On n'a pas besoin. Mais... petite boule de glace. Ouais, non, Karim m'a invité en game. Ah bon? Comme ça, sans raison. Comment ça, sans raison? Mais tu suivais son stream quand même, non? On va lancer l'ulti, puis on va remontrer un petit pullback rapidement. Après, on va passer sur le nerf. Oui, mais il a pris un pseudo random sur son site, je suis tombé sur. Ah! Ça danse. Elle est pas très réactive à ce moment-là. On va aller la tuer. Quel duel de l'incroyable. Alors, on va faire toujours un petit cheveu, chaque temps. Et on va se prendre une petite toile. Bon, c'est un peu une erreur ça, il reste doré hein, pour être tout complet. Ça arrive bien en congelé, mais en bleu, ça c'est un masque. Enfin bon, c'est pour montrer que c'est un zone site aussi, je commence à changer également le skill original, mais je sais pas ce que vous allez faire. Ok, donc je suis voilà chaud. J'aime bien beaucoup ce skin, vraiment très très joli.
crois que j'ai fait tout à l'heure pour avoir Crane Button. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait d'ailleurs les... Ah, il faut que je regarde ça. Autre vidéo. D'accord, je vais pouvoir voir si... moi aussi, je suis en positif, je suis un sub. Donc, on compte les assists. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un 6-12. Oui. C'est le deuxième qui est mort le moins de fois. Mais par contre, effectivement, la Caitlyn n'a pas été très très utile dans la partie. Elle a pas trop mal farmé, quand même. Un peu trop mal farmé. Hein. 220, ça va, c'est honnête par rapport à la Tristana qui en 8-1 avec 295. C'est pas mal du tout. Alors, merde. Faut que je me mette en grand écran. Grand écran. Hop. Hop, hop, hop. Ça, on va quitter. Et on va partir là-dessus. On va partir là-dessus du tout, d'accord. On va partir. Une petite épée. Un petit bidule. Et on va le voir. Oh, c'est pareil, on dirait un Ziggs. Visiblement, il se ressemble beaucoup. Bienvenue. Ou un petit Rumble qui est descendu de sa machine. Un petit piolet. Sympa comme tout. Il a l'air d'être content des transports d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme petite zénith? Ah, trop de froid. Alors, contrôle 1. Ça, c'est toujours pareil. Avec son arme. Contrôle 2. Contrôle 3. Ça le rend vraiment givré le front, hein. Il est complètement taré. Contrôle 4. Mundo est énorme maintenant, c'est trop cool. Ouais, ouais, bah Mundo c'était déjà pas mal pété. Et le back, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc un petit gnard bien mignon. Un petit mélange entre un Rumble, un petit Scrat de l'âge de glace. Son petit piolet, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais. Ah, c'est sympa, c'est un espèce de... Quand il le récupère, c'est un espèce de petit... un gros boomerang de glace. Et du coup c'était en stream alors en fait parce que si ça se trouve il y a la replay et tout, il va peut-être vouloir critiquer ton travail ou dire que t'étais super fort tous les coups. Ah, par contre, ça fait quoi quand on touche trois fois? Je peux pas faire avec le classique. Ah, ça fait un petit effet de pétillation, c'est marrant. Attention, il se transforme. Waouh! Un petit contrôle 1. Contrôle 2. Le 3 et surtout on va faire le back. Ah oui, plutôt dans la destruction. Je serais assez curieux de voir un lien si on t'invitait. Oui, en stream après j'étais versus Thresh Tristan, donc impossible de progresser en live. Colin aussi avec un chêne tu peux faire des choses. Hein. Est-ce que le petit saut fait des trucs juste congelé? C'est-à-dire que justement en fait le Thresh une fois qu'il aggrave, à la limite en général t'as le Tristana qui va s'approcher et tu vas en profiter pour mettre un petit taunt. Thresh cancel tous mes taunts. Oui s'il est réactif, ouais. Ils sont pas tous réactifs.
Ok, c'est joli. Et qu'est-ce qu'il balance? Un gros rocher. Très bien. C'est très joli. Très bien fait. Ouais, je sais qu'il peut cancel, bah, c'est comme une bonne, etc. Mais après, il faut qu'il soit réactif et puis il faut qu'il soit sur la trajectoire. Oh, mais on va pouvoir tester iOS sans lag magique. Je suis sûr. Moi, surtout, tu vas pas beaucoup la tester parce qu'elle va faire un bon, c'est une petite personne bien fumée. J'ai vu beaucoup de. Des attaques d'hyper loin et tout, genre même t'es pas à côté, ça fait quand même une vidéo de je sais plus quel streamer qui est en train de se filmer, en train de jouer. Il joue contre un Graves et lui, il est sous sa tour. Le Graves, il est entre les deux bush au top. Et t'as les tentacules qui l'attaquent et qui le tuent. Lui, il fait carrément chose. Enfin, un peu comme des toiles des mers mineures, sauf que c'est pas les toiles des mers mineures, ça fait mettre encore plus mal. Ça reste assez marrant. Et donc, est-ce qu'il a dit des choses sur ton style de jeu? Survivor, bien un team challenger et tout. Ah, ça, je vais faire ça, ça va être cool. Alors, il est où le petit perlu? Mais si, s'il te plaît. Des bons petits murs de glace, très joli. Pas trop, mais bon, après, je suis fier, je vais sauver le cube deux fois avec lui. Bien joué. Écoute, si tu es dans la game, en réalité, je regarderai ça. Bon, bah voilà, le petit gnard, le petit neige. Alors, on va back pour le plaisir, une dernière fois. Est-ce construire son petit bonhomme de neige et le gros gnard qui pète derrière.